good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you come across this video. You are once more welcome to this noble broadcast program entitled Vision for Lost Souls. And we want to appreciate and to thank all our faithful and noble viewers all around the world who really take time to follow up listening to the Word of God. The purpose of this program entitled Visions for Lost Souls, in fact, is to bring Jesus Christ closer and closer to people to actually see the need and the importance to serve Him. God is the one who created us, and He created us with a purpose. The purpose is to serve Him, the purpose is to surrender our life to Him, and the purpose is to allow God to fulfill His perfect will in our lives. But it's rather unfortunate because of the pleasure and the distractions of this world, man has always gone away from the right track of the Word of God. Thanks be to God, as a loving Father, has always done everything to make sure that His creature is not lost, but rather may they come to serve Him and to make heaven. That's why Jesus said, God so loved the world, and He gave His begotten Son, so that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. So our presence in this world is to fight for our eternal life, and we need to prepare it right now when we are still alive, because tomorrow it might be too late for us. And today, once more again, the Lord Jesus Christ, because of His grace, He has really helped us to receive a wonderful message at this end time. And we are going to listen a fragment of the message entitled Visions of William Marion Branham. Who is in fact William Marion Branham? Is God's servant who God sent with a ministry to actually prepare the bride, to prepare the children of God to meet the Lord Jesus Christ. Dear viewers, we are going to look at how God was so wonderful, and when God gives a vision, it's so precise. There's no ambiguity in what God says, and when God says something, He will make sure that He comes to pass that right way. And we are going to listen in these few minutes on how God is able to talk to a man and to show him things to come. And one of the things we are going to pay attention is that God is perfect in everything. Anything that is not perfect, God is not in. Even when God gives you a vision, you must wait all the elements to be there before God will be able to execute it. So have a comfortable place as we're going to listen to this fragment of the message, The Visions of William Branham. God bless you as we meet in a few minutes. Elle avait les jambes atrophiées, repliées sous elle. She, with the Armenian Bible over her heart, started moving towards the side of the bed. And as she did, then Satan spoke to me, said, you let her hit that floor, she'll break her neck, off that high bed. I was scared for a moment. Avec sa Bible en arménien contre son cœur, elle a commencé à avancer vers le côté du lit. Et à ce moment-là, elle... Alors Satan m'a parlé, il a dit... Si tu la laisses toucher le sol, elle va se casser le cou en descendant de ce lit élevé. J'ai eu peur pendant un instant. Mais j'avais toujours su que ces visions, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Ce qu'elle m'avait dit était toujours juste. Alors je suis allé de l'avant, je l'ai quand même laissé descendre du lit. Et Dieu m'en est témoin, à l'instant même où elle allait sauter du lit, ses deux jambes se sont redressées. Her daughter screamed, pulling her hair and running out into the street, screaming as loud as she could. Neighbors come from everywhere. Sa fille a poussé un cri en se tirant les cheveux. Elle est sortie dans la rue en courant, en criant de toutes ses forces. Des voisins sont venus de partout. And there she was for the first time for 17 years, walking around in that room praising God. I left immediately to get away from it. Et elle était là pour la première fois depuis 17 ans. Elle allait et venait dans cette pièce en louant Dieu. Je suis parti tout de suite pour m'éloigner de là. Later, I got acquainted with this young girl and went with her. Of course, this don't have to be on record, but I went with the young girl. Plus tard, j'ai fait connaissance avec cette jeune fille et je l'ai fréquentée. Évidemment, il n'est pas nécessaire de faire mention de ceci, mais j'ai fréquenté cette jeune fille. Not long after that, a few weeks, I was in my mother's house one evening, and
I'd been praying that day, and I just simply couldn't seem to break through to victory in my prayer. Peu après, quelques semaines plus tard, j'étais chez ma mère un soir. Ce jour-là, j'avais été en prière. Et c'était comme si je n'arrivais tout simplement pas à me frayer un passage jusqu'à la victoire dans ma prière. And I thought I'd just stay all, you know, go ahead to bed. I was staying at home at that time. And so I went into the room to pray, and I was about 1 o'clock in the morning, I guess. Alors je me suis dit que j'allais simplement rester, vous savez, aller me coucher. À l'époque, j'habitais à la maison. Alors je suis entré dans la chambre pour prier. Et c'était vers 1 heure du matin, je pense. And I prayed, and all at once, I looked, and Mama, she used to take her clothes, just pile them in a chair. You know, we were real poor people. Et j'ai prié. Et tout à coup, j'ai regardé. Et maman, elle avait l'habitude de prendre ses vêtements et de les empiler sur une chaise. Vous savez, nous étions des gens très pauvres. And I looked something white coming to me, and I thought I was looking at that chair closed, but it's that angel of the Lord, that cloud, you know. And it come over to where I was. J'ai regardé. Il y avait quelque chose de blanc qui venait vers moi. Et j'ai pensé que j'étais en train de regarder la chaise qui avait les vêtements dessus. Mais c'était cet ange du Seigneur, cette nuée, vous savez. Et il est venu jusque là où j'étais. And I was standing in a room, a little, what we call a shotgun house, a little straight house, 2 rooms in it. And it had red wings coating up here for the side, you see. Et je me suis retrouvé dans une pièce, une petite maison, ce que nous appelons une maison de fusil de chasse. Une petite maison de 2 pièces, tout en longueur. Et il y avait des boiseries rouges ici sur le côté, vous voyez. There's a little iron poster bed to my right side. There's a black-headed woman standing against the one room, went out into the kitchen. She's standing against that kitchen door, weeping. Il y avait un petit lit à colonne en fer à ma droite. Il y avait une femme aux cheveux noirs debout contre la. Cette pièce se prolongeait jusque dans la cuisine. Cette femme était debout contre la porte de la cuisine. Elle pleurait. There was a father standing to me and had brought me a baby. That something had been laying on his little chest. Il y avait un père debout devant moi. Il m'avait amené son petit. Qui avait quelque chose sur sa petite poitrine. And one his left leg is wound around till it's laying up against his little body, and the right leg wound vice versa, both arms wound up too against his body, and his little body was twisted and wound up till it right here at his neck. Une de ses jambes, la gauche, était tellement recroquevillée qu'elle était repliée contre son petit corps. Et la jambe droite était recroquevillée dans l'autre sens. Les 2 bras aussi étaient recroquevillés, repliés contre son corps. Et son petit corps était tordu, tout recroquevillé jusqu'au cou, ici. And I wonder, what does this mean? And I look sitting down to my left, and there sat an old woman, taking her glasses off and wiping them from tears or something on her glass. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé, et à ma gauche, une vieille femme était assise. Elle ôtait ses lunettes et en essuyait les larmes, ou quelque chose qu'il y avait sur ses lunettes. To my right, on a red duofold, which was a match to the chair, sat a young blonde-headed boy with curly hair, looking out the window. À ma droite, assis sur un canapé rouge assorti au fauteuil, il y avait un jeune homme aux cheveux blonds frisés qui regardait par la fenêtre. And I looked, standing way over to my right, and there stood in that angel of the Lord. And he said to me, can this baby live? And I said, sir, I don't know. He said, lay your hands across it, it shall live. J'ai regardé, et debout là, plus loin, à ma droite, se tenait l'ange du Seigneur. Et il m'a dit, ce petit pourra-t-il vivre? Et j'ai dit, monsieur, je ne sais pas. Il a dit, pose tes mains sur lui, il vivra. And I did. And the baby had jumped down out of the arms of the father, and the little right leg untwisted,
and the right side untwisted, right arm untwisted. It made another step, and the other side untwisted. Made another step, and the other side untwisted, the body, middle part untwisted. And he put his little hands in mine and said, Brother Branham, I'm perfectly whole. Et je l'ai fait. Le petit a bondi de hors des bras de son père. Et sa petite jambe droite s'est redressée. Et le côté droit s'est redressé. Le bras droit s'est redressé. Il a fait un autre pas et l'autre côté s'est redressé. Il a fait un autre pas et l'autre côté s'est redressé. Le corps, la partie du milieu s'est redressée. Il a placé ses petites mains dans les miennes et il a dit, Frère Branham, je suis parfaitement guéri. The little baby was wearing blue corduroy coveralls or overalls, little bibbed overalls, and he had brown hair and a little bitty tiny mouth. Le petit portait une combinaison ou une salopette en velours côtelé bleu, une petite salopette à plastron. Il avait les cheveux châtains et une toute petite bouche. And then the angel of the Lord told me he was taking me somewhere else, and I was carried way away, and he set me down by the side of an old graveyard and showed me the numbers on a tombstone near a church, and he said, "This will be your directing place." Et puis l'ange du Seigneur m'a dit qu'il m'emmenait ailleurs. Alors j'ai été transporté très loin. Il m'a déposé à côté d'un vieux cimetière et il m'a montré les chiffres inscrits sur une pierre tombale près d'une église. Et il a dit, « Ceci sera ton point de repère. » He carried me into another place and there was a, looked like it had been a little town with about two stores in it, and it had a yellow front, yellow bordering on the walls. Il m'a transporté dans un autre lieu, et il y avait, c'était comme une petite ville, qui avait peut-être deux magasins. Il y en avait un avec une devanture jaune, des planches de bois jaunes sur les murs. And I walked up there, or stood there, and there was an old man coming out with a blue corduroy jacket on, or a blue jean jacket, and blue overalls, with a yellow corduroy cap, and he had a big white mustache. He said, he'll show you the way. Je me suis approché ou je me suis tenu là, et un vieil homme en sortait. Il portait une veste en velours côtelé bleu ou une veste en jean bleu et une combinaison bleue et une casquette en velours côtelé jaune. Il avait une grosse moustache blanche. Il a dit, il va t'indiquer le chemin. And the next time I come to, I saw, I was walking into a room, following a rather heavy-set young woman. And as I entered the door, the figures in the paper on the wall were red. Up over the door had a sign, God bless our home. Ensuite, quand j'ai repris conscience, cette fois j'ai vu que j'entrais dans une pièce. Je suivais une jeune femme assez corpulente. Et en entrant dans la pièce, les motifs du papier qui tapissait les murs étaient rouges. Au-dessus de la porte, il y avait une inscription. Que Dieu bénisse notre foyer. There's a big old brass poster bed laying to my right side and a chunk stove sitting at the left. Il y avait à ma droite un genre de grand lit à colonnes en cuivre et à gauche, il y avait un poêle à bois. And over in the corner lay a girl of about 15 years old and she'd had polio or something that had drawn her right leg up and her foot turned sideways and is drawn under. Dans un coin de la pièce, une jeune fille d'une quinzaine d'années était étendue. Elle avait eu la polio ou quelque chose du genre, et à cause de ça, sa jambe droite était atrophiée, et son pied était tourné de travers, et il était replié. And she looked like a boy, only she had hair like a girl, and she had a heart-shaped lips like a girl. Et elle avait l'air d'un garçon, sauf qu'elle avait des cheveux de fille. Elle avait les lèvres en forme de cœur, comme une fille. And he said to me, can that girl walk? And I said, sir, I do not know. He said, go put your hands across her stomach. Then I thought it was a boy, sure enough, because he had me put my hands across her stomach. Et il m'a dit, cette jeune fille pourra-t-elle marcher? Et j'ai dit, monsieur, je ne sais pas. Il a dit, va poser les mains sur son ventre. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'un garçon, puisqu'il me faisait poser les mains sur son ventre. I did as he told me, and I heard somebody say, praise the Lord. And I looked up,
And when I did, this girl was raising up. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Alors j'ai entendu quelqu'un dire, « Loué soit l'Éternel !» Et j'ai levé les yeux. Et quand j'ai regardé, cette jeune fille se levait. And when she raised up the pajama she had on, her pajama leg come up and it showed a round knee like a girl's knee and not knotty, you know, like the boy's knee. And I knew it was a girl. Et quand elle s'est levée, le pyjama qu'elle portait, la jambe de son pyjama s'est soulevée, laissant voir un genou qui était rond, comme un genou de fille. Et non pas noueux, vous savez, comme un genou de garçon. J'ai su qu'il s'agissait d'une fille. And she had on her pajamas, and she come walking to me, combing her hair. She's blonde, combing her hair. The girl is in Salem today, married and got three or four children, and her mother and father are still there also. Elle était en pyjama, et elle s'est avancée vers moi en se peignant les cheveux. Elle est blonde, elle se peignait les cheveux. Aujourd'hui, cette jeune fille habite à Salem. Elle est mariée, et elle a trois ou quatre enfants. Et sa mère et son père sont encore là, eux aussi. And so I come too. And I could hear somebody saying, Brother Branham, or Brother Bill. Oh, Brother Bill. And my mother was calling. Alors, j'ai repris conscience. Et j'entendais quelqu'un qui disait, Frère Branham, ou Frère Bill. Oh, Frère Bill. Et ma mère m'appelait. And I thought, I hear one way of coming out of that vision, you know, kind of droggy. And I said, what do you want, Mom? And in the next room where she's sleeping. And she said, there's somebody knocking at your door. Et j'ai pensé, j'entendais une voix dans une direction. En sortant de cette vision, vous savez, j'étais un peu sonné. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Maman? Dans la chambre voisine où elle dormait. Elle a dit, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. And I heard it. Brother Bill, and I opened the door. There's a man stepped in. His name was John Emil. He lives in Miami, Florida now. And he said, Brother Bill, you don't remember me. I said, no, I don't believe I do. Et je l'ai entendu. Frère Bill? Et j'ai ouvert la porte. Un homme est entré. Il s'appelait John Emil. Il habite maintenant à Miami, en Floride. Et il a dit, Frère Bill, « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» J'ai dit, « Non, je ne crois pas. » Said, « You baptized me and my family. » But said, « I took a role that's wrong. » He said, « I killed a man here some time ago, hit him with my fist and broke his neck in a fight. » Il a dit, « Vous m'avez baptisé, moi et ma famille. » Mais il a dit, « J'ai pris une mauvaise voie. » Il a dit, « J'ai tué un homme ici il y a quelque temps. » Je lui ai donné un coup de poing au cours d'une bagarre et je lui ai cassé le cou. Said, I've lost one of my little boys, the oldest one, and said the youngest one is laying home dying now. Et il a dit, j'ai perdu un de mes jeunes fils, l'aîné. Et il a dit, le cadet est couché à la maison, il est mourant en ce moment. And said, the doctor, the city here, had just left, and said, the child has double pneumonia, and it just barely can get its breath. Et il a dit, le médecin de la ville ici vient de partir, et il a dit, l'enfant fait une pneumonie double. C'est à peine s'il arrive à respirer. And said, I just, you come on my heart and wonder if you'd come and have prayer with it. Et il a dit, je, tout simplement, c'est vous qui m'êtes venu à l'esprit. Je me demande si vous accepteriez de venir prier pour lui. And said, now, as you know, I'm a cousin to Grim Snelling, which Grim Snelling, the Reverend Grim Snelling now, had not become a minister at that time, a nice Christian boy. Et il a dit, bon, comme vous le savez, je suis un cousin de Graham Snelling. En fait, Graham Snelling, qui est maintenant le révérend Graham Snelling, n'était pas encore ministre à l'époque. C'était un chrétien, un jeune homme très bien. He said, he's my cousin, I'm going down to get him. Which live about a half a mile from me, down in the city, and said, I'm going down to get him, and will you go up? I said, yes, Mr. Hamill, as soon as I put my clothes on. Il a dit, c'est mon cousin, je m'en vais le chercher. Il habitait à un demi-mille de chez moi au centre de la ville. Et il a dit, je m'en vais le chercher, est-ce que vous viendrez là-bas? J'ai dit, oui, Monsieur Emile, aussitôt que je me serai habillé.
And so he said, I'll take my car and take you up. And I said, all right. So as soon as I get Graham, and I want you all to pray for the baby. And I said, all right. Alors, il a dit, je vais prendre ma voiture et je vais vous y amener. J'ai dit, d'accord. Il a dit, aussitôt que j'aurai pris Graham, et je voudrais que vous priez tous les deux pour le petit. J'ai dit, d'accord. So then, I went to getting ready, and mother said, what was the matter? I said, there's a little baby to be healed. And so she said, healed? And I said, yes, mother. And so I said, I'll tell you more about it when I come back. Et donc, je me suis préparé. Et maman a dit, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, il y a un petit qui va être guéri. Alors elle a dit, guéri? J'ai dit, oui, maman. Et alors j'ai dit, je t'en dirai plus long à mon retour. So, in a few moments, he knocked at the door, and Brother Graham was with him. We was going up here, but what we know is the boatyard now, which was the old Howard shipyard at the time. Alors, quelques instants après, il a frappé à la porte, et Frère Graham était avec lui. Nous avons passé par ici, à côté de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le chantier de construction pour bateaux, ce qui était, à l'époque, le vieux chantier naval Howard. I said, Mr. Hamill, where do you live at now? He said, in above Utica. J'ai dit, Monsieur Emile, est-ce que vous, où est-ce que vous habitez maintenant? Il a dit, au nord d'Utica. I said, you live in a little, what we call shotgun house, little two-room. Yes, sir. Sets on a hill. Yes, sir, he said. J'ai dit, vous habitez une petite maison, ce que nous appelons une maison de fusil de chasse, une petite maison de deux pièces. Oui, monsieur. Elle est située sur une colline. Oui, monsieur, il a dit. I said, your baseboard here is made out of tongue and groove, and it's painted red. He said, that's right. J'ai dit, votre plinthe ici est faite de planches à rainures et languettes. Elle est peinte en rouge. Il a dit, c'est exact. I said, the little baby is laying in an iron poster bed, and he does have in the house at least a pair of blue corduroy overalls. Says he has them on. J'ai dit, le petit est couché sur un lit à colonne en fer. Et il a, du moins, il a ça à la maison, une salopette en velours côtelé bleu. Il dit, il la porte en ce moment. And I said, and the baby is teeny fella, about 3 years old. And he's also got a little teeny mouth, little bitty thin lips, and he's got light brown hair. He said, that's the truth. Et j'ai dit, et c'est un enfant qui est tout petit. Il a environ 3 ans. Et il a aussi une toute petite bouche, des petites lèvres très minces. Et il a les cheveux châtain clair. Il a dit, c'est la vérité. I said, Mrs. Emil is a black-headed woman, and in this room, you have a red duofold and a red chair. J'ai dit, Madame Emil est une femme aux cheveux noirs. Et dans cette pièce, vous avez un canapé rouge et un fauteuil rouge. He said, was you ever there, Brother Branham? And I said, just a while ago. A while ago, he said. I said, yes. Well, he said, I never seen you. I said, no, it was spiritually. Il a dit, est-ce que vous y avez déjà été, Frère Branham? J'ai dit, tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit. J'ai dit, oui. Mais il a dit, je ne vous ai pas vu. J'ai dit, non, c'était en esprit. Well, I said, Mr. Emil, you've heard me tell, if I baptize you, of things that happens, may I see things before it happens. He said, yes. J'ai dit, Monsieur Emil, vous m'avez entendu parler, si c'est moi qui vous ai baptisé, des choses qui m'arrivent. Il se peut que je vois des choses avant qu'elles arrivent. Il a dit, oui. Did something like that happen to you, Brother Branham? I said, yes, Mr. Emil. Ever what it was that told me has never told me a lie. Your baby is going to be healed when I get there. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose du genre, Frère Branham? J'ai dit, oui. Et Monsieur Emile, celui qui m'a dit ce qu'il en était, il ne m'a jamais dit un mensonge. Votre petit va être guéri quand j'arriverai là-bas. And he stopped the car, fell over the wheel, said, God be merciful to me. Take me back, O Lord. See, and I promise you to live for you the rest of my days if you're going to spare my baby's life. And there he gave his heart to Christ. Il a arrêté la voiture, il s'est affalé sur le volant et il a dit, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, ramène-moi au Seigneur. » Voyez, et je te promets de vivre pour toi le reste de ma vie, si tu épargnes la vie de mon petit.
Et là, il a donné son cœur à Christ. Nous sommes entrés dans la maison, tout excités à cause de lui, une âme qui avait été ramenée à Christ. Quand nous sommes entrés dans la maison, tout était là, exactement tel quel, sauf que la vieille femme n'était pas là. Excitable, so excited, I said, bring me the baby. And the baby just barely living. See, that winding up was the life gone out of the baby. It was just wound to hear its little throat. And I said, bring me the baby, not waiting for the vision to fulfill. Émotif, surexcité, j'ai dit, amenez-moi le petit. C'est à peine si le petit était encore en vie. Voyez, ce recroquevillement, ça voulait dire que la vie avait quitté le petit. Il était tout recroquevillé, jusqu'à sa petite gorge, ici. Et j'ai dit, amenez-moi le petit, sans attendre que la vision s'accomplisse. Brother Vail, if this pad was supposed to be laying here, I can't say a word till that pad's laid there. See, it has to be just the way it showed me. Frère Vail, si ce bloc-notes était censé se trouver ici, je ne peux pas prononcer une seule parole tant que ce bloc-notes n'aura pas été posé là. Voyez, il faut que ce soit exactement tel qu'il me l'a montré. So I said, bring me the baby. And the daddy brought the baby in, and I prayed for it, and it got worse. Donc j'ai dit, amenez-moi le petit. Et le papa m'a amené son petit et j'ai prié pour lui. Son état s'est aggravé. Alors, je me suis dit, là, quelque chose, il était vraiment à bout de souffle. Ils ont dû lutter, le secouer et tout pour le réanimer. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Tout à coup, la pensée m'est venue. Où se trouve la vieille femme? Ça n'y était pas encore. So, they take the baby, laid it down, they're putting the stuff under its nose and everything, and crying, the mother screaming hysterically and everything. So what a marvelous God, what a wonderful God, doing marvelous things at every moment, using whoever he wants. We appreciate God for such a wonderful gift. In fact, it's not to praise William Branham, it's not to worship him. In fact, it's to see how God was able to walk through a humble man. God can still do the same with you too. And that's why listening to the tape is to build up our faith and to help us have that kind of experiences with our Father, who is the Lord Jesus. That's the reason he was sent. He was not sent for us to worship him. He was not sent for us to adore him, because there's only one God we have to worship, is the Almighty in heaven. But God, in his grace, will always want man to fellowship with him. That's why he come closer to man to actually use a person to carry out such tremendous and spiritual activities to boast our faith and our confidence in him. Dear viewers, this does not mark the end of this program. From days to time, we'll be able to make you listen many of the tapes. And if you feel so interested to know more, then you have the number beneath, where you're able to contact us and you have more of those programs. Dear viewers, God bless you as you keep on watching these broadcast programs. May the Lord Jesus continue to help you, to sustain you and to strengthen you as you go on in the battlefield, in the work of Christianity, in the journey of Christianity. It's not an easy task, but man needs to work harder. We appreciate God for all that he has done so far for us as we meet again next week in our next program. God bless you. We have at the camera, Bless Numa. I am Simon Peter Ambassa. God bless you as we meet again. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.